Et donc, bonjour à tous, ici Cosmorev, et on se retrouve pour la suite de ce Let's Play de Rhythm Paradise. Donc nous allons pouvoir continuer cette aventure musicale. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, faut mieux réexpliquer. Je ne parlerai que quand je suis dans le menu ou dans le mode entraînement. Après, quand je suis dans les jeux, donc en plein rythme, je ne pourrai pas parler parce que je dois rester un minimum concentré sur la musique et sur le thème. Donc je ne pourrai pas parler pendant cette séquence là. Donc on va tout de suite commencer. Donc on avait terminé la ligne du remix 3. Aujourd'hui nous allons descendre et commencer par Avid Assest. Donc suivez la formation des plus grands Assest dans les montagnes reculées. Pour la réussir, vous devez vous empiffrer. Alors, ça c'est un mini-jeu qui me plaît beaucoup, mais qui est assez chaud à manier. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Musique japonaise, bien sûr. Mais voilà. Donc on arrive. Oh là. Exercice numéro 1, manger une boulette. Touchez l'écran quand je dis miam. Assez chaud quand même. Voilà, c'est bon. D'accord. Faut pas rater. Ah. Dommage. Voilà. Parfait. Exercice numéro 2, manger 3 boulettes. Parce qu'une boulette c'est pas assez, non, faut en manger 3 quoi. Miam miam miam. Ok. 1, 2, 3. Ça va. Mais c'est chaud. Faut bien cliquer au moment où on dit miam quoi. Ok. Ok. Donc, exercice 3, mander 2 boulettes. Alors c'est 2 boulettes. Lancez rapidement 2 boulettes dans votre bouche. Touchez l'écran en même temps que les deux miam. Donc de toute façon c'est toujours en même temps que miam alors. Ah. Ah. Ça va, je prends le rythme. Parfait. Je n'ai plus rien à vous apprendre, donc on passe en mode musique. Je vous laisse apprécier le son et je vous dis bonne musique à tous. Moi, je vais en chier, normalement. Mais ça va être dur, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, bonne musique à tous. Je vais juste tousser un petit coup avant. Comme ça, ça ne gâchera pas le rythme. C'est parti. Ça va, je m'en suis bien sorti. Vous avez été là jusqu'au bout. Eh bah ben c'est beau ça. C'est bien. Ah je pensais pas que j'allais réussir. Hein. Normalement je perds toujours à jeu. Hein, ou j'ai toujours moyen, ok. Enfin, il est assez, pour moi il est assez chaud ce mini-jeu, mais au final... Hein. D'accord. Ah, un mini-jeu que j'adore, l'école de DJ. DJ YOLO va vous montrer... YOLO. Ah non, YOLO va vous montrer les ficelles du métier. Essayez de scratcher comme lui. Voilà, c'est ça, scratcher. Bah, après, moi, je m'y connais pas en DJ, hein, je m'en fous. C'est pas un truc que je kiffe, moi. DJ, ça m'intéresse pas, ça. C'est de la merde. Enfin. Bon, bienvenue à l'école des DJ. Ici, vous apprendrez à imiter de vrais DJ. Allez, à vos platines, chérie. Allez, montre-moi ce que tu sais faire, ma gueule. Rick, come on. Yeah. Et c'est simple, hein, c'est que ça, c'est le seul mouvement en fait. Scratcho, hey. Tin, 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 tin. Big, come on. Hoo.
School of Joy. Hey! Par contre, j'ai un peu raté mon appui, en fait. Non, tu vois, il a fait les croix. Ça, pour le glisser, ça va. C'est pour le ou, en fait. Ah, voilà. Parfait. Mais c'est pas terminé. Hey. Parfait. Ça va, je prends du galon. Je prends du galon, ça va aller. Encore. Ok, super. Et c'est maintenant avec ça. Alors. Ah non, c'est vrai que c'est pas terminé. D'accord. Merde. D'accord. Voilà. Parfait. Ok. Ok, c'est facile. Ok. Parfait. Passons aux choses sérieuses, donc je vous laisse apprécier la musique et on se dit à tout de suite. Bonne musique à tous. Break, come on. Ooh. Oh yeah. Oh yeah. Let's go. Oh yeah. Scratch your head. Check it out. Oh yeah. And stop. Ooh. Scratch your head. Oh yeah. C'est pour le style. Come on. Merde. Scratch your head. Come on. Scratch your head. Oh là, je devrais même pas faire mon crâneur. Scratch your head. Check it out. Let's go. Yeah. And stop. Scratch your head. And stop. Non, merde. Oh yeah. Scratch your head. And stop. Scratch your head. Check it out. Yeah. And stop. Oh yeah. Scratch your head. Let's go. Yeah. And stop. Scratch your head. Break. Come on. Oh yeah. Scratch your head. Break. Come on. Oh yeah. Scratch your head. Break. Come on. Check it out. Scratch your break, come on, scratch your head, and stop. Oh yeah, scratch your head. Bim. Alors j'espère que ça suffira. J'espère que ça suffira. On va voir ça. Alors, opinion, vous scratchez comme un pro, mais ce n'est pas encore ça. Vraiment ok, mais pas ok non plus, pas super. Bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. Donc c'était vraiment pas mal, mais ça aurait pu être mieux. D'habitude, j'y arrive mieux à cette salle là. Nous avons quoi? Les coups de taiko. Alors, les taiko, c'est des tambours japonais. L'équipe rouge vous mène en bateau depuis bien trop longtemps. Montrez-lui qui a le rythme dans la peau. C'est parti. Donc, coup de taiko. Bim! Alors, l'équipe rouge, commençons par l'échauffement. Reproduisez ce que je joue. Ok, c'est simple. Facile. Ouais, facile. Par contre, des fois, j'y vais un peu trop vite, en fait. Maintenant, on joue pour de vrai. Il n'y avait qu'un seul mouvement, c'est ça, mais après, c'est des trucs qui changent. Donc je vous dis à tout de suite et bonne musique à tous. C'est parti. Oh.
Alors là, c'était beau. Sincèrement, c'était beau. C'était beau. C'était beau. Très bon jeu de baguette. Ah, oh, mais ça mérite mieux quand même. Ah, oh, c'est quoi cette. C'est quoi cette injustice là? Vous feriez mieux la prochaine fois. C'est cela, ouais. C'est pas grave. Allez. J'aurais pu au moins sortir. Ah non, pas le labo de l'amour. Oh non, pas le labo de l'amour. Les chercheurs du laboratoire de l'amour tentent de comprendre les raisons du cœur que la raison ignore. Celui-là, c'est un jeu de rythme que j'ai détesté. Je le déteste, ce jeu de rythme. Mais on va le faire. Parce qu'on est obligé. Mais ça va être chiant. Très très dur. Très très dur, moi je vous le dis. Ça va être très dur. Nous sommes des scientifiques. Notre sujet de recherche, l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire des cœurs, la base même de l'amour. Touchez l'écran et attrapez, puis faites glisser pour lancer. Vous allez voir, c'est chiant. Quoi ? Ouais, pour l'instant ça va. Quoi ? Mais je l'ai attrapé ! Ouais, c'est chiant. Vous semblez à l'aise dans notre laboratoire. Essayez de secouer les flacons. Frottez l'écran de haut en bas avec le siège pour secouer. Oh putain. C'est chaud, moi je vous dis il est chaud cette éclaircie là. Ah je vais détester, je vais détester. Ok, donc superbe. Procédons à l'expérience. Donc je vous souhaite une bonne musique. Moi je vais en chier, mais vraiment. Donc je vous dis à tout de suite tout le monde. C'est pas le plus dur, hein. Ça va. Ça, y a un niveau, il est beaucoup plus dur que ça. Hein. Il faut revoir le lancer de flacon. Ouais. Quoi ? Quoi ? Vous savez ce... Quoi ? Pourquoi ? Non mais, j'y comprends rien là. Non mais, il était parfait mon lancer. J'en ai loupé que deux. Enfin deux, trois. Enfin ouais, c'est ouais, non mais c'est pas juste. C'est pas juste. On va recommencer. Ah, je vous l'ai dit, il est énervant ce niveau. Il est énervant. Quand j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est énervant. Je déteste ça.
Non. Alors là, si j'ai pas bon, alors là, j'en ai rien à foutre. Là, j'ai bon, là, j'ai bon, là, j'ai le OK. Ah, j'ai même un super. Eh bah tiens, pour une fois que j'ai un super dans ce niveau-là. Normalement, j'ai jamais eu de super en sûr. Hein. J'ai jamais eu de super, une seule fois. Allez, salaud. Voilà. Alors, remix numéro 4. C'est l'heure du remix, laissez-vous guider par vos sentiments. Et surtout, pas d'entraînement, c'est parti. Alors là, c'était beau. Oh là, et là, j'ai fait un truc de pro là. Bon, à part un départ un peu bizarre, mais on a excellent. Super. Et bah, c'est génial. C'est génial. Une médaille gagnée, c'est super. C'est que du bonheur. Nous vivons le grand amour. Et bah, c'est cool pour toi. Cool ta vie. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais au moins, nous l'avons eu. Viser le parfait dans. Oh, et bah, vous savez quoi? On va essayer de viser le parfait dans les trois bleus parce qu'on est trop fort dans les trois bleus. Et ça va aller crème. Ça va passer crème. Allez, c'est parti, on va pouvoir défoncer ce niveau qui est trop facile. Je vous laisse directement apprécier la musique. Bonne musique. Ba 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 ba
mon Koopa. Bandez mon Koopa. Bandez mon Koopa. Oui. Allez. Bim. En cadeau, vous pouvez lire le texte au café Journal d'un Bleu. On va lire ça tout de suite. Donc ça, c'est les petites lectures que vous avez et qui disent en fait l'histoire un peu du mini-jeu. Donc je vais vous en faire montrer le contenu. Donc lire. Journal d'un Bleu. Veuillez lire ces quelques pages, elles vous aideront à comprendre les images qui défilent durant le jeu. Ah voilà, ça c'est pour des... parce que vous voyez, quand on avait fait le mini-jeu, vous voyez des images au-dessus... Il y avait, pendant le mini-jeu, il y avait des sortes d'images, on voyait l'entraînement des trois oiseaux. Et bah justement, ça vous explique en fait ce que ces images représentent là. Alors, le 16 avril, donc le premier c'était le 16 avril, la première image. Mes rêves sont exaucés, je fais enfin partie de la brigade des bleus, nous suivons pour le moment l'entraînement de base, notre sergent n'est pas bien grand, mais très exigeant, allez, souhaitez-moi bonne chance. 20 avril. Cet entraînement est tout sauf basique. Nous avons dû tirer un char sur lequel le sergent perché nous hurlait des injures. Qu'est-ce que c'était lourd. 2 mai. Nous poursuivons l'entraînement de base. Je n'aime pas tellement les avions à pédale, surtout si l'on considère que je pourrais voler en battant simplement des ailes. 10 mai. Aujourd'hui, le saut en parachute est au programme, mais j'ai des ailes. Je n'ai pas besoin d'un parachute. Pourquoi n'ai-je pas le droit de voler de mes propres ailes. 14 mai. Tandis que nous marchions aveuglés par l'épuisement, nous sommes tombés dans un ravin et nous avons ensuite escaladé. Nous avons complètement oublié nos ailes. Mais cela en valait la peine puisque nous avons pu voir le splendide coucher de soleil. En fait, ils avaient même pas besoin. En fait, c'est simple, ils avaient même pas besoin de faire tout ça, ils avaient déjà des ailes quoi. Le 24 mai, donc c'est crétin. Demain, nous saurons enfin à quel poste nous serons assignés. Nous sommes tous surexcités. Notre sergent nous a dit que le poste allait nous plaire, mais avec lui, c'est très mauvais signe. Au secours, j'ai peur. C'est très intéressant à lire. Les histoires comme ça, c'est vraiment très intéressant à lire. L'histoire du mini-jeu, c'est vraiment super. On va voir si nous avons débloqué un mini-jeu, un petit jeu, un petit truc, jeu rythmé, peut-être. On a 11 médailles. Qu'est-ce qu'on a pour 11 médailles ici? On a... Ah ah! Un octopus. Alors, poulpeau. D'accord, faites comme les autres. Ah oui, attendez. Ok, ça va. Oui. Merde. Non, réessaye. D'accord. Ok, je réessaye. Elle est trop bien le rythme. D'accord. Ah, ça accélère. Pressé. Oh, les yeux qui font. Et ça va de plus en plus vite en fait, c'est un petit jeu rythmé en fait qui est assez plaisant quand même. Donc voilà, c'est un petit mini-jeu qui est assez plaisant. Voyons voir ce que nous avons débloqué en jeu infini. Peut-être on a débloqué un truc intéressant pour 11. Non, 12. On a la bataille galactique, on a ça, mais on n'a pas la conduite mesurée. Donc 12 médailles, bah ça sera pour un prochain épisode. Et oui. Mais voilà. Ah, la prochaine fois, ça sera le petit bassin. Ce mini-jeu-là, je l'adore. La musique est trop bien. Mais ça sera la prochaine fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc, salut tout le monde.